de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc de ce qui s'est passé très récemment aux États-Unis, donc au niveau des Georgia Stone, Guide Stone, qui sont donc des pierres, pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a des inscriptions qui ressemblent, on va dire, un petit peu aux 10 commandements de la Bible, et sur lesquels il y a des inscriptions donc qui sont, on va dire, pour certaines assez inquiétantes. Hein, parce que il y a, on va le voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il y avait décrit sur ces pierres. Il faut savoir qu'elles viennent d'être détruites très récemment par des individus qui ont placé donc une charge d'explosifs et qui ont détruit l'une des stèles. Ensuite, donc, la stèle était tellement devenue instable et dangereuse pour le public qu'ils ont décidé donc de la battre avec des grues. Donc on va regarder un petit peu ce petit récapitulatif et on se retrouve juste après pour avoir des informations complémentaires sur notamment ce qu'il y avait décrit dessus et sur ce que ça pouvait impliquer pour les gens qui ont voulu détruire ce et qui ont détruit voilà ce monument qui était quand même, on va dire, assez critiqué par notamment les complotistes. Allez, on regarde ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, voilà donc cette explosion qui a endommagé complètement une stèle qui était complètement détruite et qui est tombée. Donc il en restait deux ou trois, je crois, si je dis pas de bêtises, debout avec le plafond. Et donc ils ont décidé, vu que c'était devenu instable, tout simplement d'ouvrir une enquête hein, pour essayer de trouver les malfaiteurs, mais aussi pour la démanteler, étant donné qu'il y avait vraiment trop de danger et que ce n'était plus visitable. Hein. Là, on était quand même sur des monuments qui faisaient donc presque 6 mètres de haut en granit, hein, donc un matériau, une pierre très très lourde, et il y avait un poids d'un peu plus de 100 tonnes, 108 tonnes de pierre exactement. Donc c'était un monument très très imposant, sur lequel figuraient des inscriptions très très étrange également, hein, on va dire à la hauteur de sa dimension. Donc ces monuments ont alimenté beaucoup de théoriciens du complot, beaucoup
de chrétiens, on va dire un petit peu entre guillemets extrémistes, qui se trouvent là-bas, notamment aux États-Unis, et qui justement se posaient la question et étaient contre justement ces inscriptions parce que ils se demandaient pourquoi la personne qui a mis en place ce document, ces pierres, hein, donc c'est un certain monsieur R.C. Christian, donc un pseudonyme, donc même l'auteur de la construction de ces pierres est resté anonyme. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui font que les gens, ça a alimenté en fait une des théories du complot, hein, notamment par rapport à une inscription qu'on va regarder juste après, qui disait donc qu'il fallait maintenir l'humanité en dessous des 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Donc sachant qu'aujourd'hui nous sommes 7 milliards, donc il émanait justement de cette inscription qu'il y avait une élite, hein, qui allait chercher à un moment donné à éliminer voilà une énorme quantité d'êtres humains sur la planète par un moyen voilà dont on ne sait pas encore. Mais voilà, donc ça alimentait aussi les théories par rapport à tout ce qui s'est passé avec la pandémie, bien sûr. Mais bon, voilà, donc c'est, en tout cas, on va pas trop s'étaler sur ce sujet-là. Mais ensuite, il y avait aussi d'autres problèmes aussi par rapport aux chrétiens extrémistes là-bas qui habitent aux États-Unis, par rapport à ces inscriptions. On va revoir ça juste après. Alors, il faut savoir que cette stèle, il y a aussi beaucoup de spirituel, hein, beaucoup de spirituel sur cette stèle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est ce qui va nous intéresser. On va essayer de voir un petit peu les messages cachés, les messages codés, hein. Je dis toujours que voilà, il y a des gens qui se cachent plus à travers le monde, hein, on le voit, des églises satanistes, les gens qui servent le diable. On entend parler beaucoup de témoignages aussi de gens qui sortent de mouvements francs-maçons ou Illuminati, où il y a vraiment des choses anormales qui se passent, et des gens témoignent de rituels, de culte à Lucifer. Donc, à partir de là, moi j'ai envie de dire que ça, c'est pour nous, chrétiens et enfants de Dieu, une bonne nouvelle. Ça témoigne aussi de l'existence de notre Seigneur. Ça témoigne que s'il y a le mal, si des gens vénèrent avec autant d'énergie et d'ardeur le diable, il y a aussi un Dieu qui a créé ce diable. Hein, parce que le diable, n'oublions pas qu'il n'est simplement qu'une petite créature que Dieu a créée et qu'il permet d'être encore là pour tenter l'homme, afin que l'homme choisisse, comme une période d'examen, s'il a envie de travailler pour le Seigneur, s'il a envie d'être dans le chemin de Dieu, ou s'il a envie de vivre lui-même pour sa propre vie, tout simplement en continuant à désobéir par le péché, en suivant les voies du diable, et parfois même pour certains, hein, comme ces élites, à le servir. Hein, donc voilà. Alors, il faut savoir que sur cette stèle, il y avait donc des traductions, hein, des traductions de différents textes dans 8 langues différentes: l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, l'arabe, l'hébreu, l'hindi et le swahili. Donc, ces langues étaient là pour montrer aussi voilà, ce qui était prévu, hein, ce qui était prévu sur ces stèles, et pour qu'un maximum de personnes puissent les lire. Il y avait également sur la stèle donc des inscriptions, et c'est là justement que le côté spirituel va intervenir, des inscriptions dans 4 langues différentes, hein, donc c'était inscrit notamment sur les plaques du haut, des inscriptions en babylonien, donc Babylone, en grec antique, en sanskrit et en hiéroglyphe égyptien. Alors le sanskrit, c'est quelque chose que je ne connais pas non plus que ça, mais il s'agit d'une langue donc indo-aryenne, donc une langue très ancienne, donc indo-européenne aussi, on peut dire ça, donc qui était parlée donc sur le continent, le sous-continent indien. Donc c'est des langues très mystiques également, avec donc la langue de Babylone, hein, la langue qui est quand même une langue d'une ville qui était une ville en abomination aux yeux de Dieu, une ville remplie de péchés. Hein. Et on a également bien sûr les hiéroglyphes égyptiens, donc qui sont également des langues de continents qui étaient également en abomination au Seigneur, au Dieu et à l'Éternel des armées, parce que la Bible en parle vraiment de façon très claire, hein, que ce soit Babylone ou l'Égypte antique, c'était vraiment des ennemis de Dieu qui étaient remplis d'idoles, de faux dieux, de voilà, donc toutes des choses que l'Éternel condamnait et qu'il voyait donc comme une abomination. On a bien sûr également la Grèce antique, dont Paul parle dans ses lettres, expliquant que c'est pareil, il y avait aussi toute une mythologie grecque
remplie de faux dieux, de voilà le panthéon incroyable de la mythologie grecque, hein, on le connaît. Et donc tout ça montre aussi un côté spirituel, c'est-à-dire que vraiment, déjà, on est là dans quatre grands mouvements, hein, je dirais même trois, parce que bon, le Sranki, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus soft, mais on va dire Babylone, déjà, la Grèce antique et les hiéroglyphes égyptiens montrent déjà un certain mouvement spirituel d'écriture très, je vais dire, on va dire, on n'est pas loin du satanisme, très satanique en fait, hein. Et donc, c'est pas des langues qui ont été, je pense, choisies par hasard. Ensuite, on a, pour venir complémenter ça et pour venir appuyer justement ces dires que je vous donne aujourd'hui, on a également sur ces monuments, enfin il y avait sur ces monuments, beaucoup de références astronomiques. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important parce que la parole de Dieu nous parle beaucoup de l'astronomie. Tout ce qui est magie, astronomie, ce sont des abominations aux yeux de Dieu parce que c'est, on sait qu'il y a derrière l'astronomie, derrière ces choses-là, une certaine volonté de l'homme à vouloir s'ériger en propre Dieu, à chercher voilà, l'inconnu, le sensationnel. Les Mayas étaient très très fans d'astronomie et faisaient beaucoup de sacrifices pour les saisons, pour leur dieu soleil, pour ceci, pour cela. Ils ont annoncé notamment des fins du monde, notamment en 2012, qui ne sont bien sûr jamais produites, parce que tout ça, c'est bien sûr d'inspiration démoniaque. Ce sont des choses que la Bible condamne très fermement. Voilà, on a un soleil, on a la lune, ce sont des astres que Dieu a placés pour nous éclairer, rien d'autre, hein, ce ne sont pas des choses à vénérer, et on sait aussi que la parole de Dieu nous explique très bien que Lucifer est assimilé souvent à un astre, hein, souvent à Saturne, ou éventuellement à la lune, à Jupiter, hein, souvent il est associé à des planètes, hein, dont il a été vénéré dans l'Antiquité. Donc voilà, il faut déjà voir ces choses-là. On sait aussi qu'il y a une inscription qui explique qu'il y aurait donc une capsule temporelle qui a été enterrée, pas loin de ce site. Voilà. Et on sait aussi que le site a été placé d'une certaine façon à ce que justement il y ait une interaction avec le soleil pour éclairer certaines parties de la stèle. Donc c'était vraiment, en fait, il n'y a rien qui a été fait au hasard avec cette stèle. Donc c'est ça aussi qui fait que toute cette perfection, toute cette précision et bien sûr toutes ces choses que je viens de vous énumérer font que ça soulevait beaucoup d'inquiétude auprès de certaines personnes. Alors bien sûr, nous n'avons pas à être inquiets d'un tel monument, hein. Franchement, on sait que le diable fera toujours des choses, on sait qu'il y a toujours des gens qui vont ériger des choses mauvaises, hein, qui sont là, non pas pour le bien de l'humanité, mais avec des inscriptions aussi malsaines que maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. Donc déjà, rien que ça, le fait de vouloir maintenir l'humanité, c'est quelque chose qui est déjà contre nature, hein, donc qui est déjà contre Dieu, parce que c'est Dieu qui gère ces choses-là, et équilibre avec la nature, alors qu'aujourd'hui, on est en train de la détruire un peu partout. Donc c'est très, c'est très controversé, et c'est en même temps, c'est vraiment marrant de voir des inscriptions pareilles. Ensuite, on a regardé « guider judicieusement la reproduction » afin d'améliorer l'adaptation et la diversité. Là, c'est pareil, c'est une inscription qui faisait assez polémique parce qu'on parle de guider la reproduction. Donc, afin d'améliorer l'adaptation et la diversité. Donc là, on est déjà également aussi dans une forme de manipulation de la reproduction, hein, parce qu'on doit la guider. Donc, on a unissé l'humanité grâce à une nouvelle langue mondiale. Donc ça, ce thème parle également de la future langue universelle qui doit être soi-disant mis en place par l'Antichrist. Alors, je n'ai pas trouvé ces choses-là dans la Bible, hein. On sait qu'il va y avoir donc un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, selon la parole de Dieu. Mais la langue mondiale, je ne vois pas trop comment ça peut être possible. En tout cas, on verra bien, hein. Mais en tout cas, cette thèse était vraiment assez également critiquée. Et bien sûr, la quatrième critique qui était émanée justement de ces inscriptions, c'était donc traiter de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les choses avec modération. Nous savons que nous servons le Seigneur avec passion, nous servons le Seigneur voilà, sans modération justement. Et là, on cherchait déjà dans cette traduction à vouloir freiner ceux qui veulent par exemple prier, ceux qui veulent parler du Seigneur. Ça, c'était aussi très mal vu justement
par les communautés chrétiennes des États-Unis. Ensuite, il y a des inscriptions un petit peu plus soft, hein, comme protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Bon, là, on voit rien de mauvais là-dedans. Hein. Laisser toutes les nations gouverner leurs affaires intérieures et régler les conflits extérieurs devant un tribunal mondial. Donc là, on voit un tribunal mondial aussi. On voit encore par là un peu cette instauration du nouvel ordre mondial avec voilà, cette justice mondiale, ce gouvernement mondial, cette monnaie unique mondiale, toutes ces choses-là qui doivent émerger. Donc ces stèles étaient quand même assez proches d'un nouvel ordre mondial. Hein. Éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. Bon là, il n'y a rien non plus d'inquiétant. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Là non plus, faites primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Donc là, on peut voir aussi quelque chose de spirituel, parce que mélanger la vérité, la beauté et l'amour, qui sont l'essence même de Dieu, hein, le Seigneur Jésus-Christ et la vérité, il est d'une beauté parfaite et il représente l'amour. Donc en fait, on voit que dans ce passage, ce neuvième commandement, hein, on voit qu'il y a et ben, tout simplement cette association du Seigneur, en fait, hein, à tout simplement trois mots qui sont associés donc à quoi ? À l'infini. Donc ça peut aussi donner et emmener des gens dans une spiritualité autre que la Bible, en fait. Hein. Et le dernier, donc, ne soyez pas un cancer pour la terre, laissez de la place à la nature, Voilà, donc là non plus, rien d'inquiétant. Donc, en fait, aussi, pour terminer, ces 10 commandements qui sont également 10 très associés aux 10 commandements de la Bible. Et vous voyez que, en fait, beaucoup de choses dans notre entourage sont des choses qui sont aussi tirées, dérivées de la Bible. Et quand on a une dérive de la Bible, une copie des choses de la Bible, on sait qu'il y a la signature du diable derrière ces choses-là. Les 10 commandements sont les 10 commandements de principes moraux du caractère de Dieu que nous devons respecter et que nous devons appliquer dans nos vies. Et c'est aussi, lorsque l'on fait ces choses-là, devenir tout simplement un honnête citoyen, quelqu'un de bien et quelqu'un qui représente le Seigneur Jésus-Christ dans son comportement. À partir du moment où vous transgressez les 10 commandements, par exemple si vous volez, si vous mentez, vous ne représentez plus la gloire de Dieu et vous êtes aussi mal vu par la société. Parce que vous êtes considéré peut-être comme un voleur, un délinquant, un menteur, donc c'est très mauvais. Et là, en fait, le fait de justement recréer ces 10 commandements sous une forme différente, avec, comme je vous disais, donc quand même les 4 premiers qui sont très critiquables, en fait, on est aussi dans une sorte de parodie de la Bible. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas bon. Donc en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cela. Je pense avoir fait le tour et vous avoir donné un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir. Donc c'est une stèle qui avait été fondée en 1980, le 22 mars, et qui a été donc démolie le 6 juillet 2022. Donc elle a tenu 32 ans, voilà. Et comme je vous le disais, elle était vraiment très très controversée, très critiquée. Et elle a alimenté beaucoup de théories du complot. Bon, aujourd'hui, elle ne fera plus parler d'elle, hein, parce qu'elle a été complètement détruite. Je ne sais pas s'ils ont retrouvé donc les coupables, mais en tout cas, voilà, c'est. Je pense aussi que c'est peut-être l'œuvre de voilà d'extrémistes, hein, qu'on peut trouver là-bas. Je répète que la violence, la destruction, ce sont des choses qui appartiennent au diable. Dieu ne veut pas que nous faisions ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait. C'est pas représenter l'amour et la gloire de Dieu que de se rebeller, que de chercher à détruire, même si ça ne nous plaît pas, on ne doit pas détruire. Hein. On ne va pas aller détruire des maisons ou tuer des gens, hein. On n'est pas là pour ça. C'est Dieu qui a la justice, nous sommes là pour représenter l'amour de Christ. Et si des gens s'amusent à ériger des stèles comme ça, peut-être contre l'humanité ou pour je ne sais quelle autre raison, tout simplement Dieu réglera par rapport à sa justice au moment donné avec ces personnes, les choses. Donc ne rentrons pas dans ce que font les païens, c'est-à-dire la violence, la rébellion. On ne représente absolument pas la gloire de Dieu dans ce genre de comportement, hein, et la Bible nous dit bien d'être en paix. Soyez en paix avec tous. Donc nous ne sommes pas en paix avec les gens ou avec le monde lorsque l'on détruit
même des stèles qui sont très controversées. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, chers frères et sœurs, et on se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.